Ancien sénateur Guy Philippe nous connaît qui est en prison depuis passé plusieurs années. Eh bien, je dis à la, qui lui-même sorti dans le silence, dans une interview qu'il a avec un journaliste, James Pierre, il s'est mis à causer de lui. Il s'est parlé en pile vérité, en pile gros secret, prend la rue, en pile gros révélation faite et gagne nèg. Après Guy Philippe fin libéré là, nous pas bon menti, nèg ça au pral gè problème parce que Guy Philippe s'est menté, l'attaque nèg yo juste li mette yo à terre. Nous kote rejoignou, pas oublier ou sou TV Lakay Haiti.com et nous katande voir pas fin trop bien parce que nous gon grippe k'ap dérange nous ak yon fièvre, mais ça pas empêcher de continuer informer et peuple haïtien donc sou tout ça k'ap passé dans pays d'Haïti ak res mond la, et bien et dossier Guy Philippe là gen en pile rimek ap kouri ta fait quoi Guy Philippe libéré. Et bien monsieur poko libéré et pas même connaît qui l'est l'a libéré. Gen un journaliste qui te fait connaît que Guy Philippe ap libéré en janvier 2023, mais c'est pas vrai. Gen un avocat tout qui lui même te parlé. Et bien n'a dit que Guy Philippe jusqu'à qu'on y a parlé là, monsieur toujours dans prison. Et bien Guy Philippe qui lui même pendant la prison qui bay interview ça avec James Pierre, et monsieur Avili tout nèg noir mêlé ak nèg blanche qui met tête ensemble pour te fini ak carrière comme ça, fini ak la ville, yon sénateur en fonction, et bien pour seulement blanc débarquer et vin arrêter le comme ça aller avec lui par rapport avec des trois haïtiens qui eux même et dans conspiration avec blanc. Et puis vient arrêter un sénateur, donc c'est gros désordre, c'est gros dérespectant qui fait. Et bien Guy Philippe jodi a la, monsieur Gaï tout le monde et nous pral inviter en gen détail. Restez sur vidéo jusqu'à la fin guys, n'a tourné. Moi connais que gen pile moun ki ta reme connaît condition santé physique, mentale. Comment que ou y quitte nous rappeler moun yo que interview ça a fait avec ou en dedans prison, parce que gampil moun ki di nou que ah sénateur la guéri, il faut qu'on la guéri, la guéri autre. Somme ta reme rumeur sa li clair pour nous que sénateur ancien sénateur Guy Philippe pour qu'on la guéri et li en dedans prison. Comment y est sénateur? Bon, physiquement moi en forme et on t'a dit en forme, seulement une situation pays y a qui inquiétante et qui fait on est de temps en temps penser ouais comment pays arrive dans tout que lié jodi a la. Ça passé côté nous fait erreur, côté moun nan pays a fait erreur, comment j'ai arrivé côté nia la. C'est ça seulement et qui okay. Quitte nous de temps en temps, mais après ça nous en forme. Ah, très bien. Gagné yon rapport, yon document qui sorti dans Nations Unies, pardonnant et OEA avec OEAS, dans document ça ou même ou te fait yon demande à OEA qui dit que gen violation qui fait sous droit ou que Haïti t'est mal arrêté ou et ou mentionné tout que non seulement Haïti t'est mal arrêté ou mais États-Unis tout li violé droit ou parce que Jean arrêté là li pas bon li autre. Nations Unies OEA t'est décidé yo même pour yo recevoir document là. Les yo recevoir document là, yo bay à pays d'Haïti et en même temps tout yo bay à États-Unis environ 3 mois pour yo décider ce dossier. 3 mois et peut-être 4 mois. Si 3 mois est pas suffit pour yo, yo gen doit mande yon extension yon lot mois. Mais yo pa ka mande plus que ça. Ki te mdi moun yo, parce que gen yon zanmim ki voye yon vidéo ba mwen, kote ke mba konnen, gen yon moun en Haïti ki sot yon note ki ta pale, ki di ke non, et OEA dit que il y a violation qui fait dans droit ou OEA décidé que faut que libéraux automatiquement. Qui te me rappeler pour Mounio que parti ça pas là-dedans. Jusqu'à présent OEA fait investigation sur dossier. OEA accepté que dossier là li recevable. Ça veut dire ouais qu'on gagne assez de preuves ou gagne assez de documents pour capable yo même initier un processus d'investigation sur dossier. Donc yo bail à Haïti et en même temps tout à États-Unis 3 mois pour yon même tout, yon bay des preuves qui montrent que effectivement, doit pas ou li même, yon pas de violer nan ka sa. Comment que ou recevoir yon telle décision de OEA qui avec OEA avec qui li même décidé qu'on y a là pour faire pétition, ça avoué document, ça bay Haïti avec États-Unis? Oui, c'est une très bonne décision et nous connaissons que Jean-Barré dépassé Jean États-Unis à Haïti comploté pour kidnapper un sénateur en fonction dans le pays selon l'article
95 constitution et pays. Et depuis nous arrivons aux États-Unis 5 janvier, c'est menti après menti. Le gouvernement américain a dressé un tissu de mensonge pour laisser ouais, comment pour qu'il la caille. Parce que faut me dire que les gens prennent et les gens arrivent dans la maison, ils marient. Ils ne savent pas ce qu'ils font. En Haïti, ils font propagande de drogue, c'est pour trafic de drogue. Et quand ils arrivent aux États-Unis, ils disent non, ce n'est pas affaire de drogue, c'est money laundry. Et pour preuve, je vous montrer et papier que le gouvernement américain écrit juge là. L'aime dit juge là, n'est-ce pas dit qu'il y a un problème sous drogue. Donc, temps fini, après, côté gouvernement américain dit lui-même, il n'a pas jamais arrêté de vivre pour drogue. C'est pour money laundry, c'est pour drug offense. Je suppose que vous avez dans le papier que vous avez pour c'est un papier officiel et gouvernement américain écrit juge Altonaga pour le dire lui-même, il n'y a pas de problème de drogue, c'est un problème money laundry. Donc, parce que c'est money laundry, bagay ça va appliquer pour moi. Donc, pour montrer comment les gens, dès le départ, c'est un désordre total à faire à un dossier que le gouvernement américain, le plus souvent en Haïti, la force en Haïti, c'est sous rumeur, c'est sous zin, c'est sous tripotaille. Il y a un clic de sous-sous dans l'ambassade et dans Port-au-Prince qui a détruit le monde avec bouche avec langue. Et vous-même, vous n'avez jamais mené enquête vraie. Vous juste venu, vous venez pour te mourir. Et ça fait, l'homme, ouais, que c'est comme ça. Et justice l'a fait avec ici, moi obligé écrit avec mon ami qui fait pour moi, écrit Commission interaméricaine droit de l'homme pour nous dire mais qui ça a passé. Faut me rappeler tout que le gouvernement américain, ambassade américaine Janet Sanderson, le 18 décembre 2007, il était déclaré que jamais, jamais, américain va jamais faire aucune intervention armée en Haïti. Qu'il n'y a pas de juridiction, ça, il n'y a pas de faire. Donc, qui s'agit les gens dit à tout haïtien capitaine de noyau dit là des poudres ouais un policier DLTS DCPJ vient avec deux ou trois blancs yo tous ces interventions ces blancs américains qui fait contre ces délinquants ces gangs parce que c'est ambassade américaine qui dit que États-Unis pas de aucune juridiction et ou pas jamais fait des autres comme ça. OK, même ta mais connait qui ça que ou même ou attend de un dossier comme ça parce que États-Unis lui-même, li gen tan jugé ou, li dit que ou coupable, ou parler de blanchiment d'argent, effectivement, que le jugé li dit que ou même ou coupable et pour blanchiment d'argent, et Haïti, tant que j'en saute dit, li livré ou, qui ça que ou même ou gen en thème d'attente, que ou même ou dit que bon, et mais ça que ma patane de yon tel de dossier, mais qui ça que moi-même, moi espéré et que m'capable joindre de OEA avec, OAS, qui attend que vous-même et au gain. Qui ça quoi attend en termes de résultats de organisation ça yo à dossier ça de Haïti avec États-Unis. Tantôt, bagayo c'est justice lié. C'est question droit monde que violé. États-Unis c'est membre OEA, même gens Haïti c'est membre OEA. Yo sillon série de bagarre international. Donc yo obligé prendre ça en compte sinon États-Unis c'est un état voyou. Sinon États-Unis, par quoi, la question, vous en voulez, avec des bagages à faire état de droit, bagages à faire et démocratie. Donc, moi, attendons que le gouvernement américain a une réponse, la réponse. De toute façon, il faut me dire, le dossier admissible, avant le dossier admissible, vous avez pétition, le débat Haïti avec États-Unis choix pour répondre, option pour répondre, le débat aux 4 mois pour répondre. Je dis ça, vous pensez de ça, moi, dis-le. Il ne va pas répondre. Il faut lui aller écrire encore, il va dire, il va 6 mois encore. Après, on dit, moi, pour répondre, il n'y a pas à répondre. C'est ça fait qu'on y a là, les gens ne savent pas se répondre. Ils ont que c'est des autres affaires, ils ont eu 90 jours avant pour prendre une décision définitive sur le cas. Moi-même, ce qui m'a dit dans le cas, moi-même, m'a dit, OEA, pour lui faire l'extérieur, libérer immédiatement, pour ne pas payer tout ça, pour ne pas payer une réparation, pour tout ça, au fait. Question émotionnelle, question et tout bagay net. Chaque grain de jour passe dans la prison, faut que nous paye. Parce que son bagay, son arrestation illégale. Ma fait, ma chèche, c'est pas parce que j'ai besoin de l'argent, mais c'est le principe là. Faut que vous respectez un principe, un pays qui s'ouvre pour respecter le principe que y a la loi et faut que vous suivez la loi. Ou que vous avez un gros gounet, vous avez des âmes, couvrez les âmes, mais la loi, c'est la loi, sinon. Puis on a le vivre non jeune. Donc, moi, j'espère que Haïti et les États-Unis a respecté, et ça, au niveau de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, et en fin de compte, même à pour vous référer, pour vous écarter dans la Cour internationale de justice.
parce que je voulais pour mon précédent. Il faut qu'on décision de justice qui prend sous casa pour États-Unis et Haïti, pas jamais qu'à faire aucun autre Haïtien abus ça. Parce que toujours fin faut abus et puis faut paix. Oh oui, c'est blanc. Bon, on va faire. On va jusqu'au bout. Faut qu'on décision de justice. Faut qu'on décision de justice qui prend pour pas jamais qu'à faire Haïti ça encore pour le cap servir de précédent pour arriver devant le tribunal américain pour dire attention. Mais ça, un tribunal international qui décide sous casa. Parce que ça, États-Unis a fait, c'est des hommes qui ont profité de Haïti, son pays pauvre, qui a besoin de pression. Et puis, le gouvernement haïtien lui-même, qui sans figure, toujours accepté à tout vagabondage. Ça. Donc, nous besoin pour capable servir de précédent pour ça, par exemple, fait encore. En parlant de jusqu'au bout, je vais poser une question sur Moïse Jean-Charles. Et je connais que il y a différentes figures de proue que je n'ai même pas la voix tout. Et peut-être quelques autres leaders politiques en Haïti. Je dis à Mdaye, mais parler de toute bagaille ça. Sous table, content qu'on mentionne à faire jusqu'au bois, retraité sous lui. Il y a une clarification que moi-même, moi, t'as aimé faire dans l'émission ça, et peut-être ou même, ou qu'on doit parler de lui. C'est que, en Haïti, toute recherche que me fait, Guy Philippe a arrêté pour drogue. Et sous réseaux sociaux, pour que y a plusieurs monde qui parlaient de Guy Philippe, drug dealer, il a arrêté pour drogue et son drug dealer qui condamné. Ou condamné aux États-Unis, et alors que États-Unis, dans tout document que moi-même, depuis le premier jour que je suis dans le tribunal jusqu'à aujourd'hui, pas grand-rien qui marque drogue là-dedans. Il a arrêté pour blanchiment l'argent. M'ta aimé que, s'il possible, que vous-même ou capable expliquer nous. Parce que tant que j'aime ça dit que États-Unis lui-même lui dit que li pas arrêté pour drogue, Haïti dit que lui-même l'arrêté pour drogue. M'taimé mon dit nous s'il possible les arrestations ça t'a fait. Qui est-ce que c'est agent d'hier qui t'a arrêté ou en Haïti ou du moins c'est agent la police avec Dié qui t'a arrêté ou, parce que c'est quelque part c'est Dié qui entre avec vous et vous même et aux États-Unis. On me dit déjà qu'on est pas pour toi, il me dit clair qu'avocat que c'est pour toi qu'on fait ça dans l'aller dans le jugement. Donc il me dit toujours clair que c'est pas pour toi. Ça qui passe aux États-Unis c'est que ministre justice et Haïti a li bail DCPJ l'ordre pour remettre bail autorité américaine pour question de trafic illicite de stupéfiants. Donc Haïti obligé qu'il y ait ça parce que ça fait qu'on est illégal. Et après, on voit une photocopie, un mandat que Haïti basé pour dire oui, nous te qu'il y ait c'est parce qu'il y a un mandat pour ça que tu fait sous commissariat à l'ECAI. Vous songez, il y a une attaque sous commissariat au CAI. Soi-disant, entre guillemets, et il y a dit qu'il y a un monde qui s'était dans Guy Philippe. Donc, ils font un mandat d'amener. Après que vous voyez une photocopie mandat d'amener à vous tout, après le mandat d'amener à l'IFET le 17 mai 2016. Mais même quand vous voyez le mandat d'amener à vous, comme ça, le mandat d'amener, ou après que moi-même, avec deux avocats, M. Osnel Séjour, avec M. Ouzel Charles, moi présenté devant le juge d'instruction, M. Kalas Joseph Markel, qui a fonctionné par une commission rogatoire que le juge Benny Noël Ball. On connaît que depuis au fin de temps, nous avons eu un mandat d'amener. C'est pour un mandat d'arrêt. C'est pour ça que j'ai toujours dit là. Il m'a dit, c'est pour un mandat d'amener. Au fin de temps, le dossier a fini. C'est Jacques Zou, ok, si nous avons besoin de encore. Donc, son dossier est fini. Son mandat est tombé depuis le 1er septembre 2016. Depuis le 22 août 2016. Mandat ça a tombé. Donc, ou après que, malgré que le mandat a tombé, ou après que la police lui-même, comme Fol Baymati, Fol dit comment je fais que mon sénateur élu est en fonction. Et Jean-Gébila, il dit tout c'était dans quatre mandats au CAI. Mais ou pas, j'aime dire peuple là, n'a dit aucun monde que pas de mandat. Pas de mandat. Parce que le mandat d'amener est tombé depuis l'heure, moi présenté devant le juge d'instruction, qui finit de qui dit, il dit pas joindre moi dans le dossier, il voulait me la caille. Et ça, période encore, on dit bien, un seul monde qui était témoigné, qui dit, c'est pour Guy Philippe de travail, il a mouru pendant la police à interroger. Comme policier, ça a interrogé un monde, soit disant que tu es tellement blessé, qui mourit pendant l'interrogatoire.
qui travaille l'inspection générale de la police là fait? Qui travaille mon qui dit que c'est protecteur du citoyen a fait? Qui travaille mon qui dit qu'il y a défendre droit de l'homme a fait? Pour un policier, on est blessé comme ça, non, pour qu'elle puisse torturer, pour questionner jusqu'à ce qu'elle mourra dans le monde. Et puis fini tout. Au lieu que vous avez fait un délégant ça, puisque je ne sais pas que c'est policier, pas qu'il y a aucun policier qui a fait un bagage comme ça. Si vous êtes blessé dans l'état ça, on peut venir pour prendre soin d'abord et ensuite on va interroger. On va pas dire que vous êtes blessé et vous vous avez interrogé, vous avez interrogé, il mourra dans le monde. Ok, m'a toujours, n'a pas parlé de dossier Haïti un peu plus tard, mais tu as toujours été sous États-Unis, hein, parce que les antigens importants. États-Unis accusé pour blanchiment d'argent, mais jusqu'à présent, pas gagné l'argent que vous saisi vraiment pour dans notre dossier, ça. Comment comprendre ça? M'a pas dit clair, en pile, monde parle tout bagay. États-Unis pas saisi même 5 ans. Il pas saisi ni 5 ans pour moi, ni kay pour moi. Ça, c'est pas là, en pile, c'est vous et monter. M'a pas garanti ça. On met une enquête de tous côtés. Mandez eux même qui est autorité américaine. Si vous avez saisi un goutte pour moi, vous condamnez, soi-disant, que vous avez trop d'argent, vous avez un goutte pour vous montrer que vous avez l'argent. Vous avez saisi un goutte pour vous dire que c'est quoi vous avez saisi. Quand vous condamnez, vous condamnez pour un blanchiment d'argent, et puis vous avez un goutte pour vous remettre. Parce que le dossier n'a pas de fonds. Le dossier n'a pas de soins rien. Son dossier politique, son décision politique par rapport à. Et j'ai moi-même été dans la politique, là, ni moi, idéologie politique. C'est ça lié, il n'y a rien encore. C'est ça qui fait nous voyer devant l'autre tribunal. Tout le monde connaît les États-Unis qui influencent les gains dans l'OEA. Mais tout le monde connaît tout dans l'OEA, le conseil de l'État qu'on y a là, qui au moins capable de camper pour dire monsieur, on suit, on va la loi. Il n'y a pas capable à parler de. Il faut expliquer la souveraineté, par exemple, Ukraine en Europe. Il n'y a plus capable de faire la guerre, pour détruire le monde, pour vous armes nucléaires et bagages. Soi-disant, il a protégé la démocratie et l'État de droit en Ukraine. Et puis là, en Haïti, il y a violé, il y a pillé, il y a crasé la constitution. Il faut qu'on ait un monde qui campe, il faut qu'on ait un précédent qui est créé, il faut que moi-même m'attende une décision pour un tribunal international décider, statuer sous casa. Invitez-nous, jeudi, à ces anciens sénateurs Guy Philippe, les mêmes qui a fait une interview en prison. États-Unis, pour moun ki t'a demandé en pile question, est-ce que le sénateur a lagué déjà? Non, sénateur Guy Philippe, poko lagué, li en de prison. Merci en pile à tout moun vraiment qui a suivi l'émission. Ça a plusieurs questions tout que m'a joué pendant que nous là qui a posé moun des questions. Merci en pile pour question ça. Yon mystère m'capable di jusqu'à présent dans l'arrestation Guy Philippe. Yon mystère parce que chaque moun ba yon version, le ou même ou te sorti en de. Dans la radio, il y a différentes versions que vous avez sous arrestation. Je t'aime pour l'histoire et peut-être permettre que à moun qui a suivi l'émission ça capable yo même tant des versions par là. Dans quelles conditions que vous même ou t'arrêté, est-ce que vraiment t'es gagné pile cartouche qui t'a tiré les ou t'es sorti dans l'émission? Est-ce qu'on est capable ou même et si vous voulez faire un rappel pour nous qui Jean arrestation l'a été fait. Vous connaissez vraiment menti question ambassade américaine du il pas faire opération en Haïti. Vous connaissez que légalement il pas capable faire. Vous connaissez pas l'autorité pour faire. Donc ça fait couvrir tête yo dans notre officiel pour son ambassade discapé écrit ils ont pas fait bagage mais tout le monde n'importe si mon petit en Haïti a dit yo ouais agent américain dit a fait opération en Haïti. Toute opération ça c'est illégal. Tout haïtien a le droit pour le défendre, puis il a le droit de le avec Zam Vinakayo. C'est ça la loi dit, c'est ça l'ambassadrice américaine dit. C'est pas eux-mêmes. Donc si c'est pas eux-mêmes, et vous avez utilisé l'uniforme, et déjà avec qui ça, Mounsao fait, a utilisé l'uniforme maintenant dit, dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Donc depuis que vous avez devant, pourtant c'est gang. Et si un policier national t'a accompagné, Mounsao, dans l'opération, policier a tous ces gangs. Parce que la loi dit policier, mais qui moun dit qu'il doit mener opération, mais qui j'ai opération supposé mener sous territoire national là, mais qui moun dit qu'il a bien zam. Donc c'est ça qu'il faut même voir tout papier ça au bout pour comprendre. Je vois le papier juge là, tout juge d'instruction qui dit clair que je devine répondre question. Donc pas de mandat. Mais qui est illégalement, je prends illégalement, je vends moi aux États-Unis, et puis même ville là, les mouvés n'ont pas de dossier, je suis obligé de mettre tête avec Sojibank. Pour inventer un bagage de money laundry
de blanchiment d'argent, puis aucun de là illégalement, arbitrairement. Donc, est-ce que c'était agent police nationale qui était arrêté ou du moins c'était agent tout ou t'es songé qui était gagné une fois qui était arrêté? Aucune idée. Parce que comme ça, tu es dans la radio, dans la station radio, à ma frontière marché, n'est que tombé tiré. Tout le monde panique, bagaille, moi-même, malabrité, me tirer à fête, c'est prêt ou prêt, mais au milieu de nos machines, côté moi, il y a un devant deux blancs. Deux blancs d'hier. Je viens devant deux blancs, pas moi, 5 dit un mot. Pas jamais, à aucun moment, pas moi, 5 dit monsieur Philippe, nous avons dit, pas moi, qui dit mon mot. Je viens devant deux blancs. Deux agents d'hier qui disent, ok, c'est d'hier, oui. Donc, pas de baron qui, est-ce qu'il prend baron qui, on qui t'a tiré, pour moi, c'était blanc ensemble avec Haïtien. Parce que deux premiers, moi, ouais, je me parle avec eux, c'est deux blancs. Qui prend, qui mettent mon cas en face ambassade américaine. Ils kidnappent, ils mettent mon champ en face ambassade américaine en attendant de transporter mon avion pour aller. Donc, le moi, je ne vais pas avoir une justice dans les États-Unis, dans les types de justice qui est aux États-Unis. Il ne faut pas être menti. Justice aux États-Unis est aussi mal que justice à Haïti ou bien n'importe quel autre pays. Parce que nous, well, dans le cas de moi, well, nous avons des preuves que c'est qu'on s'allie. Comment comprendre? Pour nous, je devant un juge. Pour me dire, juge là, ils kidnappent. Il n'y a pas aucune base légale pour faire ça ou faire. Pour que je dise, bon, là, nous ne pouvons pas besoin de ou là, nous jugeons. Quel type de justice qui fait comme ça? Pour un juge, et sans pas dire, il accepte qu'il y ait un kidnapper un citoyen dans le pays, qui est sénateur et qui a une immunité parlementaire dans le pays. Donc, c'est ça que fait moi-même. Pardon? C'est ça que fait moi-même. Par rapport à ça, nous venons de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Et nous expliquons au dossier, nous étalons le dossier devant vous, nous voyons un certificat greffe tribunal, que ce soit et paquet dans Jérémy, que ce soit paquet pour moi, tout côté qui dit que je n'ai aucun mandat. Donc, nous voyons tout papier pour montrer que toute violation qui fait, ou bien il y a un. Donc, après deux ans, vous voyez dire en octobre 2019 que vous trouvez que le dossier est admissible. Ça veut dire que vous acceptez le dossier. Le dossier a un fond, le dossier a un mérite. Ils ont accepté le dossier en octobre 2019 et le 17 novembre 2022, ils ont pris une décision pour les États-Unis, ils ont États-Unis avec Haïti 90 jours pour répondre. Ok, m'a gardé deux trois questions là tout que nous capable poser un peu plus tard dans émission ça surtout sous dossier Jovenel Moïse, l'agent financement et autres. Peut-être n'a pas temps pour nous poser ça et aussi je dis tout que nous avons un nombre de temps que nous gagnons pour interview ça. OK. L'autre bagarre m'ta aimé mando c'est affaire l'argent pendant on parler de l'argent dossier OEA ou dit que Haïti lui-même li doué ou. M'ta aimé qu'on essaie expliquer nous dans qui sens que gouvernement haïtien lui-même li doué ou et qui attente que au gagner de gouvernement haïtien. Au son des matchs, encore une fois, que je fais depuis 2017, de voir que l'enlette là, que m'a demandé l'État ici, pour payer, parce que je suis sénateur, en fonction. C'est pas moi qui dis le douem, non? C'est la constitution qui dit le douem. C'est la loi. Je suis sénateur en fonction, selon article 95, constitution amendée, qui dit que moi rentre en fonction, immédiatement, que vous validez ce scrutin. Ça, moi, je vais comprendre. Il y a deux articles dans la constitution. Qui est en contradiction, article qui favorable à plaignant, c'est lui qui doit appliquer. C'est vrai qu'il y a un série de articles qui dit oui, il faut prêter serment, mais qui j'en lié. Mais article 95, si dans le cas ça, prestation de cérémonie, prestation de serment, t'as en fin de faire. L'élection pas finie dans le pays, t'as l'élection pas maintenant. L'élection complémentaire et problématique. L'élection pas finie, n'est-ce pas les mêmes. Puis tout rentrer en fonction immédiatement après validation du scrutin. Il n'y a pas de jour où il faut prêter serment, non. Il y a de jour où il rentre en fonction immédiatement après la validation du scrutin. Il y a validé le scrutin, non. Tout le monde est pas bien. Nous sortons dans le moniteur. Il y a reconnaître nous comme sénateur de grandance. Article 95 ans, c'est immédiatement après validation. Donc, nous sommes sénateurs en fonction. L'État doit. Et puis d'ailleurs, il y a voté un budget pour 30 sénateurs. Il n'y a pas de remplacer, mais il n'y a pas de remplacer. C'est le peuple qui a bon job. Ce n'est pas moi qui a bon job. Qui ça va faire comme 30e sénateur ça? Ça, on fait comme frère mieux. Ça, on fait comme pas mieux. Que le peuple grand, c'était voué pour venir chercher et pour venir travailler pour vous. Pour me donner un moyen, pour me mettre bureau, pour me mettre secrétaire, pour mettre tout le monde, pour travailler pour vous, pour nous joindre. On vit bon grand, on vit bon Haïti. Ça, on fait comme pas mieux. Alors, l'État haïtien kidnappe, il faut me faire un blanc, qu'on y a dit oui, qu'il ne faut pas venir travailler.
Simba, comment vous kidnappez vous même encore? Vous avez dit que vous comment vous avez travaillé sous kidnapping? Vous avez profité de propre vagabondage vous fait? Non, vous avez non seulement payé comme sénateur, mais vous avez payé des dédommagement tout pour violation de droit, tout droit vous fait sous moi. Moi, j'ai écrit par exemple, et protecteur du citoyen, monsieur Edouville, il y a une lettre qui m'a plusieurs fois, il m'a écrit, il est arrivé, il dit avocat. Il dit avocat, à casse en bas, là-dedans, Guy Philippe Conti, bagaille lui-même avec blanc. Pour ne pas protéger du citoyen, moi, je me dis que j'ai violé les droits, fait que c'est du pour ça, pour t'en aller paraître pour venir défendre moi, pour dire que c'est bagaille blanc, pas rentrer là-dedans. Quel type de monde ça? Comment on fait dans la place ça? Ma PC est gérée et quoi? Grand monde qui dit que des gens écho m'a pas essayé gérer écho pendant et sénateur Apontijan et move pour l'avancer mais en attendant qui t'aime dit nous yon gros cooking chain merci surtout à moun sa qui yo même décidé à sponsoriser espace ça pendant que n'a parlé avec sénateur Ken move a little bit be fine yeah supporter Midland qui gagne Speedy Tax Services surtout dans la période taxe que we got it back. OK, the audio is fine. OK, super. En attendant, qui t'aime dire qu'on capable acheter ti manchette dans killahands.com. C'est 781-420-1997. Killahands dans la période Freddy, alors besoin bon bar qui pour chauffer. Prend Killahands, prend ti manchette qui gagne bon boisson. I always get boisson on Killahands anyway. So back at it, m'tare mais qu'on y a là si vous permettez que si vous permettez li ancien sénateur Guy Philippe que nous font y parler de ancien président Jovenel Moïse. Gagne un bagage extrêmement important côté dit avant que peut-être nous fait entrevue ça. Ou te dit que si ou même ou t'es là ancien président Jovenel Moïse pas tap mouri Jean le mouria. Je pense que ça a été un petit Jean attiré attention l'autre dit et peut-être m'ka bon possibilité ouvertement là pour expliquer qui ça qu'on voulait dire. Qui ça qu'on voulait dire exactement l'autre dit si ou même ou t'es là ancien président Jovenel Moïse lui même les pas mouri comme ça. C'est ça m'dou l'aime de pas l'avoir hier m'dou que moi m'aurais été quoi et d'ailleurs c'est une raison qui m'a toujours été tenace pour une justice. Pas pour tête moi seulement. Pour une justice pour tout le monde, ça, tout jeune garçon, tout jeune fille, tout paysan, ça, nous devons, après un cyclone, fin ravager Grandens, qui prend la ria, qui a un espoir, là où est mieux, nous sommes pas le volant nègre qui va le défendre, intérêt, pour changer ça. Nègre, vous faites ça, 5 janvier 2017. Bataille va annoncer pour tout le monde, ça, ouais, par exemple, et dans Foncochon, dans Boudon, et dans Chambénan, ou bien dans la troisième section, il y a qui a traversé combien passe de l'eau à l'école. Qui va même bien, bon, qui va même bien, et tableau. Côté, il y en a moins, il dit, il y a bon espoir. Il y a tout pour le voter. Et il vote voter 3 fois. Parce que vous êtes quoi, que avec un changement. Et moi, j'étais sûr, j'étais quoi. Si je là, si je n'ai pas de kidnapping, j'ai un grand ancien là, et j'ai un pays, il y a un bras comme ça. Et pas la gagne, j'ai un président Jovenel d'amour. Parce que depuis, il y a un gars qui fait en janvier, toutes 2 mesures, je t'apprends, je t'apprends là, je t'apprends conseillé président. Parce que moi-même, je ne parle pas là, président. Depuis que je suis équipe sous le président, tout ça, président, dit le bon. Président, pas un spécialiste en sécurité. Moi-même, comme un spécialiste en domaine, je ne parle pas le conseil pour me faire des mesures pour nous sauver la ville et pour nous faire que Haïti ne tourne pas. Ça, le tourne là, on terre pour nous dire que c'est gang qui a contrôlé. Nous avons des plans pour écraser Haïti. Et nous avons toujours campé en face de plan. Nous avons planifié, nous avons conspiré et nous avons fait ça, nous avons fait là, 5 janvier 2017. Qu'on a demandé justice pour le président Jean-Luc Brazil, justice pour le peuple moyen qui votait. Et qui connaît l'élève qui vote, il a gagné immunité, c'est ça la loi dit. Et il a gagné 6 ans pour le travail pour lui. Il a crasé l'espoir du peuple. Et moi-même, je combattu tout pour petit, pour famille, pour amis, pour tout le monde, pour abus, pour fait. Non seulement moi-même, mais toute nation. C'est extrêmement intéressant une déclaration qu'on s'est fait pendant que nous connaissons que vous êtes arrêté sous processus et jugement ont été fait sous président Jovenel Moïse et nous connaissons qui gens que gouvernement haïtien a réagi dans l'époque tout processus de jugement pour là aux États-Unis malgré ça vous étiez quoi que ou même si vous êtes là président Jovenel il pas t'a mourir façon que mourir ou t'a campé avec lui. Moi-même, je regarde moi-même qui j'aime. Je suis tout le monde, président Jovenel, pas chef, il n'est pas patron. Nous sommes sénateurs, on peut dans mon mandat, je vais le faire mandat. Mais en même temps, nous sommes haïtiens. En même temps,
Nous sommes citoyens, nous reconnaissons que le président c'est chef de l'État, c'est chef de l'État haïtien. Comment vous avez dans le pays, vous quitté 20 grands mercenaires sortis dans l'autre pays, dans confiance avec l'ambassade de l'autre pays, avec oligarques en Haïti, 11 secteurs dans la place politique en Haïti, pour venir assassiner et humilier un pays comme ça. Ça va être fait. Et vous allez faire le tout, parce que vous avez besoin de réponse. Donc, moi-même, je m'a regardé avec tristesse, Jean. Processus et soi-disant justice pour le président Jovenel l'a fait. Pour moi, son vaste blague, son lance, son bar est écrasé, même le président a mouru. Et il y a un pile de monde qui attend, il attendre, sérieusement, il ne va jamais dire. Donc pour moi, son jouet, le président n'a pas besoin de justice, le peuple n'a pas besoin de justice, dans le cas ça. Ancien sénateur Guy Philippe qui est avec nous aujourd'hui qui n'a pas brassé l'idée sur différents dossiers. Je vous remercie si vous voulez pour nous faire parler de dossier corruption. De ces insécurités, ou parler de sécurité, expert en sécurité, il y a différents pays qui a pris une décision contre monde en Haïti, parmi eux le Canada. Qu'est-ce qu'on pense de affaire Lisa lui-même et qui de yo? Mon yo, c'est une question politique, il y a essayé ouais, pour éliminer en classe politique, pour prendre monde à coalition, si Haïtien par eux, si sous par eux, pour mettre sous pouvoir. Tout ça, toute tractation, qui a fait dernièrement et dans le dernier temps, ça a là. C'est Jocelyne Brivière qui a pris les ficelles dans marionnette. Pas l'autre monde. Il y a un contact avec une dame qui est chef adjoint cabinet et premier ministre canadien, qui était secrétaire à Jean-Bertrand Aristide, qui a pile monde découvert une mail d'abord marié à Jean-Bertrand Aristide, qui aujourd'hui a un gros poste dans le cabinet et premier ministre canadien. Il y a pris les ficelles pour mettre les gens dehors, pour éliminer les gens. Pour... Comment on entend, comment on comprend qu'il y a parlé de corruption, de gens qui ont mis gang, l'on a histoire de l'armée rouge, l'on a histoire crasée de l'institution de l'État pour l'armée d'Haïti, l'on a corruption, tout cas de corruption, dans le vent, dans une série d'entreprises de l'État à perte pour l'État haïtien. Pour t'avoir fait une liste, qu'on ne sait pas qu'on graine la valeur à ce qui saute dans la liste là. Non, mais. Pour Jocelyne Brivière. On entend. Excusez si je me fais camper un petit moment. Canada dit lui-même, il gagne des preuves, et c'est pas seulement Canada, gagne États-Unis tout qui a pris des décisions dans ça qui vient pour avec combattre l'insécurité en Haïti. Qui preuve gagne? Pourquoi ça va pas l'État haïtien? Pourquoi ça va pas faire le public? C'est menti. C'est politique qui a fait pour déstabiliser le pays. Est-ce que pas grand monde connaît que Jocelyne Brivière a participé dans le massacre la Syrie? Il a arrêté le boussa jusqu'à présent, qu'elle l'a beaucoup fermé. Qui ça Canada dit de ça? Son bagage politique qui a fait. Pour yon grason groupe moun, on n'aime pas un problème, non? Ou qu'on aime d'accord ça. Si nèg PHTK a offert des ordres, il faut que yon prenne prison. Tout ça que t'es dans foué, mais dans le corps Petro-Caribe, si t'es gagné, dans le corps des tremblements de terre, ou dans fait tout l'ordre des ordres, dans le cas de corruption, il faut qu'il arrête. Même je faut qu'il arrête, nèg la valasse qui fait des ordres, c'est seul comme ça nous cap font pays sérieux, c'est seul comme ça pour payer à jouer une route. Nous pas cap chaque fois yon vini, il retire ce groupe là, il même c'est pas là bon. Ambassade, tout ce que l'ambassade ça a fait là, c'est à quoi Montana a besoin de backup pour avec petit copain, petit mal et pareil, pour prendre le pays et puis venir faire ça, vous voulez faire encore dans le pays des Salines. Il n'y a pas de problème que vous mettez n'importe quel monde qui est dans la corruption, non? Ce n'est pas ça le problème. Je ne suis pas capable de citer le nom ancien président de la République ou bien une équipe ancien premier ministre ou équipe ancien ministre, ça qu'on va venir avec preuve. Ça n'est pas un délinquant, c'est déstabiliser le pays. L'homme, c'était non exact. Tout bail preuve là. Pas de gain pour vous, c'est l'homme. Bail li, ce bail public lié. Bail li, pour moi, comprendre que le bail là, c'est mon bail politique. Si on n'a pas de bail preuve, si on a qu'un B, c'est normal pour nous dire que c'est secrétaire, premier ministre Trudeau, qui c'est ancien secrétaire Jean-Bertrand Aristide, qui t'a pris le mari à Jean-Bertrand Aristide, selon ça, tout le monde dit. T'as pris avant ça avec Jocelyne Brivière, t'as pris les codes, puis au reste, t'es capable de prendre contrôle du pouvoir en Haïti parce que le peuple n'a pas voté. Chaque fois qu'il y a une élection, l'équipe ça par exemple, a fait plus que 7%. Il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de capacité dans l'élection. Si vous avez fait dans le pays, j'ai marché dit qu'il faut que je sois sénateur. Il n'y a pas de empêcher le sénateur l'aimer. Ou bien ça me dans le pays. Donc, il n'y a pas de monde. Donc, il y a fait complot, il y a pris les ficelles pour prendre le pouvoir, pour venir faire même zap, même des autres, qu'on a fait là. Tout ce qu'on a fait là, c'est par politique, à moins que nous n'ayons pas de preuve que c'est vrai, ça veut dire. Mais moi-même, je suis presque sûr, pas d'aucune preuve. Alors, dans toute bagaille corruption, ça, dans toute bagaille financée gang, ça, pas de monde qui a financé l'armée rouge, qui commence à toute question gang, pas de grand monde dans la valance qui est dans la corruption, dans la vente téléco, dans la vente minoterie d'Haïti, dans la vente cimenterie d'Haïti. Ou bien on voit les toutes comme coopératives,
ou bien dans Crasé Cob et Petro Caribé, les états bien dans mes privés, là, tout premier ministre, en attendant, ça sont jouets. Ça, il travaille là, voilà, ce que le Canada a fait, parce qu'il y a eu contact avec Tamsak, dans le cabinet et Trudeau, et puis Jocelyne Briver comme chef d'orchestre, après les ficelles, pour le cabinet, volons pouvoir encore. Je vais me poser une question à quelqu'un qui a même posé une question en bas live là, surtout dans l'affaire révolution et côté fait en 2003-2004. Mais la façon qu'on parlait, c'est que nous attendons de gagner yon Guy Philippe qui a retourné dans la politique en Haïti, qui a retourné dans la vie nationale. Je ne voulais pas parler de date, le Guy Philippe a plagué et autres. Peut-être pour raison pas aussi, ou même vous voulez mentionner, l'Ouganda a toujours parlé de lui. Mais est-ce que nous capables d'attendre nous, yon Guy Philippe qui a retourné dans la vie politique en Haïti? Abdou Clé, il dit qu'il a arrêté pour blanchiment d'argent, mais pas de aucune preuve qui montre qu'il a blanchiment d'argent. Ça, je voulais vous le plaire pour tout le monde. C'est avec Soje Bank, il a trafiqué une série de bagailles, il a dit que dans Soje Bank, il a fait passer près de 3 millions de dollars américains. Que jusqu'à présent, on n'a pas montré un goût qui est passé. Donc, pas de aucun cas. D'ailleurs, c'est ça qui me brûle devant OEA. Parce que la justice américaine est biaisée. C'est pour la justice vraiment qu'elle fait. Je me brûle devant la Cour internationale. C'est justice internationale qui a dit, selon sa argument, selon sa joigne. Je me brûle tout garanti, rentrer tout côté. Alors, c'est tout côté de Philippe Goncourt. Tout côté de faire, soi-disant, et blanchiment d'argent. Si je viens y arrêter, m'arrête encore. Mais pas que j'aime bien qu'à ça. Donc, moi, je suis prisonnier politique aux États-Unis pour. Façon balé. Parce que les États-Unis voulaient tout le temps pour le monde baisser tête devant eux. Pour piler le pays, toujours. Et pendant qu'ils ont fait l'issue, écrit non, monde, soi-disant, qui cause Haïti dans sa vie là, il faut que tu mettes tête en premier. Toute ambassade est passée en Haïti, américaine.